Pouf YouTube, c'est un super, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, actuellement j'ai deux gros let's play en cours. Un let's play sur GTA 5 solo next gen que je fais actuellement sur PlayStation 4 qui se déroule très bien et que j'ai repris hier. Et un let's play sur Far Cry 4. J'ai eu une mise à jour hier de mon jeu. Hier il fonctionnait et là je voulais continuer donc mon let's play. Ça ne fonctionne pas du coup. Je me suis dit, bah tant pis, je vais faire moi-même mon propre jeu et je ferai mon let's play sur mon propre jeu. C'est ce qu'on va faire. Pour ceux que ça intéresse, sur Far Cry 4, vous avez soit la possibilité de jouer au jeu, soit de jouer à la map editor. Et c'est ce que nous allons faire tout simplement. Écoutez, le jeu refuse de se lancer, et ben on va coder nous-mêmes notre propre jeu, les gens. Alors, on se retrouve tout simplement sur une map vide. Voilà, alors à noter que si on veut... On peut pop sur autre chose, mais on va pop sur une map vide. J'ai utilisé ce logiciel uniquement deux fois, donc je ne connais pas tout, mais vous allez voir, on peut faire des choses hallucinantes avec ce petit logiciel. Petit logiciel qui est fourni donc avec le jeu, il y a plein d'autres logiciels qui le donnent. Pour citer un exemple, j'avais téléchargé un mode zombie sur Far Cry 3, et il avait été créé depuis l'éditeur de cartes Far Cry 3. Là, on est sur l'éditeur de cartes Far Cry 4. Et tout simplement, on va faire une petite vidéo là-dessus, parce que voilà, je voulais faire un let's play sur Far Cry 4. Ça ne fonctionne pas. Et ben, Osef, les gens, on fait nous-mêmes notre jeu, les gens. Et ça c'est la classe, les gens. Je viens de voir qu'on m'appelle, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, donc je vous disais, on va donc faire notre propre jeu. Alors, au niveau des commandes, pour ceux qui s'intéressent, c'est pas compliqué. On bouge avec ZQSD, on maintient le clic droit de notre souris, on peut tourner notre tête, enfin notre vue de Dieu, et on zoome avec la roulette de souris, ainsi de suite. Alors c'est pas compliqué, écoutez, le jeu refuse de se lancer, bon, on va faire notre propre jeu. J'imagine bien, on va s'imaginer un petit truc. Déjà on est dans le Kirat, donc je vous propose de faire un univers un peu montagneux. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais le truc est quand même ultra classe. A noter que si on veut, j'aurais pu pop sur autre chose, hein. D'ailleurs, si le jeu refuse de se lancer, si ça plaît, je pourrais faire plusieurs épisodes, parce que j'ai un peu d'imagination, et le logiciel est vraiment ultra classe, on peut vraiment faire des trucs de classe. Alors déjà, on va se faire une petite montagne, voilà, petit truc bien modélisé. Alors ça parlera un peu à ceux qui font du terraforming sur Minecraft, vous remarquerez juste que c'est beaucoup plus réel sur Far Cry 4 quand même. Donc on se fait une petite montagne, je sais ce qu'on pourrait se dire, on pourrait se dire qu'il y a un camp, dans une vallée. Donc une vallée, c'est entouré de montagnes. Donc on va faire des grosses montagnes tout autour. Voilà. Alors il suffit de choisir l'objet montagne et de cliquer. C'est d'une simplicité enfantine. Ce qui veut dire que tout le monde peut le faire. Toi, moi, ton petit cousin, n'importe qui peut créer son jeu grâce à cet éditeur de niveau. Enfin, grâce à cet éditeur de map. Alors, donc voilà, donc on fait un petit truc. A noter que ce sera un petit truc rapide, hein, on va pas se mentir. Moi, à la base, je voulais jouer à Far Cry 4. Far Cry 4 ne se lance pas. Et bon, après tout, on va jouer un peu là-dessus. Voilà, donc là, j'ai modelé un peu ma montagne. Tout simplement, je pense que vous le voyez. Voilà, 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 on va faire un peu proprement. Voilà. Et donc là, on fait les deux pics. Parce qu'en fait, pour rentrer dans ce camp... il faut passer entre les deux pics et on va les appeler les pics du vampire. Voilà, on va se faire notre propre niveau. A noter que ce que je fais, si je veux, je peux le partager. Vous pouvez vous aussi jouer sur le jeu que je suis en train de faire. Bon, là, en l'occurrence, c'est juste un essai. Mais si jamais ça plaît, étant donné que j'avais envie de faire un let's play sur Far Cry 4, je pourrais très bien faire un let's play sur Construis ton jeu avec l'éditeur de niveau Far Cry 4. Voilà. Donc, le pic du vampire, c'est les deux canines, en fait, du vampire, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va ajouter un peu de végétation. On va voir qu'est-ce qu'on peut ajouter. On va ajouter ça. Voilà, ce type de truc. Alors, hop, on met des arbres. C'est classe, hein. Je sais, c'est classe, les gens. Voilà, sur le pic du vampire, voilà. Parce que donc, le pic du vampire, c'est... enfin, le camp du pic du vampire, plutôt, vous voyez. C'est un camp qui est entouré d'arbres. Alors, à noter qu'il faut un PC correct pour faire ça, hein. On va pas se mentir. Si vous avez 3 Go de RAM,
Entre nous, il est possible que ça soit pas terrible. Entre nous, hein, c'est possible. Voilà. Donc, pic du vampire. On rentre par là. Parfait. On va mettre des petites herbes devant, comme ça. Histoire de masquer un peu l'entrée, quand même. Faut pas que ce soit trop simple. Voilà. Alors, donc, pic du vampire. Tac, on rentre par là. Parfait. Ça manque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À noter qu'on teste. Ah, si, on va faire un peu d'érosion. Histoire que ce soit un peu plus classe. Alors, en fait, en faisant ça. Je vais vous le montrer à côté. L'érosion, c'est vachement classe. Donc là, vous voyez, je suis une bosse. Donc, hop, un petit truc un peu, voilà. Bon, comme ça, c'est un peu dégueulasse. Mais regardez bien, si j'utilise le truc là, en fait, ça aplatit un petit peu et ça permet de faire des trucs plutôt réalistes, en fait. Donc, c'est ça qui est plutôt classe, justement. Alors là, on peut faire des trous, on a déjà fait. Là, c'est la couleur. Alors. Ok, parfait. Ça marche comme ça. Et genre, vous voyez, je colorie bien le petit truc. Et genre, on peut faire des trucs vachement sympathiques quand même. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Alors là, j'ai pris une map un peu verte. Mais j'aurais pu prendre une map qui faisait tout simplement réaliste. J'aurais pu, par exemple, m'inspirer d'un niveau de Far Cry et puis tout simplement le modéliser. Mais je me suis dit que pour un premier épisode, ça pourrait être cool de vous montrer simplement ce qu'on pouvait faire. Voilà, attendez. Là, on va aller là-haut. Voilà. Alors, je connais pas très bien le logiciel, hein, on va pas se mentir. C'est des tests. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ça tourne relativement bien. Alors moi, j'ai 16 Go de RAM. J'ai regardé un petit peu combien on consomme en performance. Je vais vous dire, on consomme 6 Go là pour le faire tourner. Donc c'est relativement c'est honnête. Alors voilà, on colorie les montagnes. Hop. Alors en même temps, ce qui est cool, vu qu'ils nous ont donné accès à ce petit tools, ce petit outil, c'est on peut se mettre un peu à la place des devs. Et voir à quel point faire un jeu c'est long et compliqué. Parce que forcément, ils ont des bêtes de PC, mais on va pas se mentir, il y a un gros travail qui est fait à la main quand même. Le PC n'invente pas tout. On peut modéliser, si vous voulez, j'aurais pu modéliser une île et travailler de l'île, mais au départ, l'île, il faut bien la modéliser. Donc il y a tout un travail, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Il y a tout un travail comme ça, où donc bah, il faut tout simplement tout faire à la main. Donc faire les univers, les cailloux et ainsi de suite. Voilà, alors maintenant. On va faire l'autre côté. Hop là. Et c'est vraiment ultra classe. C'est ultra classe. Alors, hop, on fait ça. Voilà, voilà. Bon, alors, pour revenir sur Far Cry 4, ce qui est dommage, c'est que hier, j'ai réussi à y jouer. Et aujourd'hui, j'ai eu la bonne idée de connecter ma manette d'Xbox. Parce que moi, je veux y jouer à la manette. Et malheureusement, tout s'est mis à bugger. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que si je lance l'éditeur de map, ça ira peut-être mieux. Et en fait, non, même en lançant l'éditeur de map, c'est toujours un peu caca. Alors voilà, donc là, on a fini notre petite montagne. Ça rend bien quand même, hein. Regardez ça. Voilà, il y a encore un peu de vert, hein, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on va se rapprocher. Tac. Hop. Alors, le camp du pic du vampire. Voilà, parfait, parfait. Regardez-moi comme c'est classe. C'est juste hyper bien fait parce qu'en fait, ça ajoute différents tons de pierre. Et c'est classe en fait. C'est vraiment bien fait. L'outil est vraiment sympa. Voilà, alors ça c'est fait. Alors, je vous ai dit que c'était un camp. Allez où l'entrée? L'entrée est là. Ok, donc on se met face à l'entrée. Ok. Alors, l'entrée est là. On va ajouter une sorte de texture. On va dire que le sol sera un peu caillouteux. Ou... Non, pic du vampire. Non, non. Le pic du vampire, à l'intérieur, c'est comme ça, à l'intérieur. C'est de la texture bien rouge. Bien sang. Voilà. Voilà. D'où le nom pic du vampire, justement. Pic du vampire, parce que à l'entrée. Eh ben, tout simplement, c'est un peu. C'est avec les dents, là, les deux montagnes. Et à l'intérieur, c'est rouge, comme si c'était du sang. Voilà, c'est parfait. Alors, vous allez voir, ça va être de la merde. Hein. Mais bon, avec un peu d'imagination, les gens,
On fait ce qu'on peut. Voilà. Hop. Alors voilà, du rouge partout. Alors, entre nous. Voilà. Vous voyez peut-être mieux. Ça fait une sorte de sol un peu bizarre, mais bon. Ça va. Ça va, là, ça va. En fait, le tout, c'est de masquer le vert pour faire quelque chose de classe. Et vous allez voir, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'après, on va pouvoir jouer là-dessus. Et ça va être vraiment classe. Ça va être vraiment classe. Pour ceux qui ont Far Cry 3, vous pouvez aussi faire ça sur Far Cry 3. J'ai pas trop joué avec l'éditeur de niveau sur Far Cry 3. Mais je sais qu'il y a des mecs qui arrivaient à faire des trucs juste hallucinants, quoi. Ce que des mecs, de simples joueurs, arrivent à faire, c'est vraiment cool. Et ça fait plaisir que des éditeurs laissent leurs outils comme ça à disposition des joueurs, à disposition de la communauté. Parce qu'on achète le jeu, on a accès à cet outil. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment classe. Voilà. Donc le pic du vampire ressemble un peu plus à quelque chose. Alors on fait un tout petit truc comme ça. Voilà. Voilà. Alors là, ça c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va faire tout ce qui est devant. Tout doucement, on va juste faire un petit peu ce qui est devant. Et je vais vous montrer en quelques minutes, sans aucun talent, ce que nous pouvons faire. Alors bien évidemment, si Ubisoft passe par là et s'il cherche un designer pour son futur jeu, je suis là. Ubisoft, tu me contactes. Je répondrai volontiers à ton offre. Alors, hop, du coup, maintenant, on s'occupe un peu du devant. Donc là, c'est un truc un petit peu boisé, en fait. Voilà, un petit truc un peu classe. Allez, hop. Alors, je fais juste le devant, hein. Je vais pas commencer à tout faire. Mais déjà, vous voyez un peu ce qu'on peut faire de A à Z. J'ai lancé la map, elle était plate. Et devant vos yeux ébahis, parce que je sais que vos yeux sont ébahis, je les vois. Je suis en train de faire un jeu, les gens. Je suis en train de faire de la du vaudou. De la magie, les gens. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment classe. Voilà. Voilà. Donc là, le pic du vampire, il claque. Voilà, pour bien qu'on comprenne que c'est le pic du vampire. Les deux canines. Voilà. Donc, ok, t'as compris. Comme un vampire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du bruit, je ne connais pas trop. Applicateur de texture, c'est ce que je viens de faire. D'ailleurs, l'applicateur de texture est vraiment, vraiment classe. Il n'y a pas photo. Alors, vous me direz, un pic de vampire, c'est bien, mais il faut des hommes. Eh ben, tu as raison, mon cher Jamy. Il faut des hommes. Alors, qu'est-ce qui pourrait garder le pic du vampire? Alors là, j'ai accès au niveau de ma cam, n'est-ce pas? Donc je te le montre, mais je vais pas bouger la cam parce que sinon ça va être un bordel sans nom. Voilà. Donc en fait derrière la cam, là tu le vois, j'ai accès à différentes classes de personnages. Du coup on va mettre un simple mec devant. Voilà. Alors tu noteras que quand je le pose, il est beau gosse. On va en mettre deux. Voilà. Donc devant. Allez, on va en mettre trois même. Donc devant le pic du vampire, il y a trois mecs qui gardent l'entrée. Il y a un mec avec une petite hachette qui est par ici. Il y en a un autre qui est là. Et à l'intérieur du pic du vampire, c'est un petit camp tranquillou, hein, mais bon, c'est un petit camp quand même. À l'intérieur, eh ben, tu sais pas pourquoi, mais t'as. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Shangri. Ah! T'as des mecs un peu bizarres à l'intérieur, en fait, que je t'explique. Voilà, t'as des gaillards un peu bizarres. Alors, tu notes que je peux faire un peu muse avec eux quand même. Voilà. Shangri-La Flair, à la l'objet. On va mettre un comme ça. Alors, j'espère qu'ils vont charger, hein. À noter que je ne sais pas du tout si ça marche. On va mettre un comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est les. Oh. Tu notes qu'ils ont un bruit fort sympathique. Alors, tu notes aussi que la texture. C'est pas trop ça en fait. J'espère que j'ai la texture de dispo. Donc sans savoir, on va mettre des mecs normaux. On va mettre un gros bazar comme ça. Et un gros bazar là. Voilà. Alors, donc eux j'ai la texture. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Voilà, je te montre. Voilà. C'est ça qui est plutôt cool. Chez eux, j'ai la texture. Je sais pas pourquoi j'ai pas la texture des autres d'ailleurs. Alors là, c'est en train de bugger dans le sol. Hop, 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 attendez. Ah non, merde, ça buguait pas dans le sol.
Voilà, alors l'entrée est là, il y a les gardes. Après, tu arrives ici. Et puis, hop, on va mettre des petits soldats tranquillou, pépère. Beaucoup d'animaux. Subir des pertes de performance. Bon, allez, ok, annulé. Allez, on arrête les conneries. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. À noter que sur moi, on peut faire des vagues et tout. Mais nous, non, nous, on fait pas de vagues. On va faire ça simplement. Alors, voilà, tous. Parfait. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut ajouter. Ah, bien évidemment, on va faire un player spawn. Alors, on va ajouter un spawn de joueur. Un spawn de joueur, qu'est-ce que c'est, Jamy? Bah, c'est tout simplement un spawn où je vais apparaître. Donc, moi, je vais apparaître ici. Ici, c'est un spawn de joueur. Et notre objectif, parce qu'il y a forcément un objectif à aller ici, l'objectif, c'est d'aller au fond. Voilà. Alors là, si tu es observateur, tu remarqueras que ça va être un vrai carnage. Alors bon, mon spawn de joueur est là, mais on est un peu en mode. En mode tout le monde me fait chier. Du coup. Non, non, du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Enfin, un joli truc comme ça. Avec une petite descente. Voilà. Comme ça, on est bon. Là, on est bon. Tu vois, ça fait un petit truc classe comme ça. Une petite descente. Là, on est bon. Là, on est bon. Alors, laisse-moi juste regarder un truc. Parce que lui, j'aimerais bien que tu me le supprimes. Lui, supprimer la sélection. Voilà. Voilà. Donc, notre player spawn est là. On va rajouter une petite texture. Texture comme ça. Hop, on va faire ça grosso modo. Hein. Le but du jeu, c'est pas de vendre un jeu. Hein. Après, pour ceux qui veulent jouer à mon jeu, bah, il y aura forcément des DLC et tout. Vous inquiétez pas là-dessus. Hein. On va se mettre bien. Voilà, alors ça c'est fait. Alors maintenant, il y a d'ambiance. Alors il y a des petits rebelles et tout. Ok, je veux bien. C'est des alliés. Un petit animal. J'ai envie de te dire, il y a un poisson crevé. Voilà, t'es comme ça, t'as des poissons qui sont morts. C'est la fête. Et puis on va mettre aussi un autre pichon de crevé. Alors tu noteras quand même la taille du poisson. Entre nous. Voilà quoi. Alors là, je crois que je me suis spoil un peu le jeu. Parce que personnellement, je n'ai jamais vu ce type de poisson dans le jeu. D'ailleurs, un poisson aussi gros. Bon, c'est quoi? On va se mettre des pigeons. Allez, des poules. Laisse faire le pro. J'ai un bon PC, ça devrait tenir. Ouais, c'est bon, ça va tenir. T'inquiète pas. Bon, alors là, autant dire qu'au niveau des gigas, ça consomme. Voilà. Donc nous, on est le maître des poulets. Du coup, il y a plein de poules autour de nous. C'est comme ça, c'est la fête. J'espère que je vais pas faire bugger le jeu. Hop. On est le maître des poulets. On a mis un objectif. Ça, c'est bon. Au niveau des objets. J'ai envie de te dire. Bon. J'ai envie de te dire, on va mettre une petite maison quand même. Hein. Voilà. Genre, on va mettre une maison là. Et on va mettre des tours. Alors, laisse-moi regarder que je te dis si j'aime bien. Voilà, alors, hop, on met des tours en haut du mont Vampire. Et mes gaillards là. Parce que bon, il y a du sang partout, il y a du sang partout. Mais quand même. Voilà, hop, on met des maisons. Alors. La maison est complètement ensevelie. Voilà, on va le mettre comme ça. Hop là. Oh là! Je crois qu'il y a un mec qui vient de se faire attaquer par une bestiole. Voilà, ok, on est bon. On est bon. T'inquiète. Alors, remonte-moi les maisons. On va refaire des trucs cool. Est-ce qu'il y a des grosses maisons? Putain, il y a forcément un truc radio. Ça, c'est la base. Et on va mettre de quoi. Se planquer parce que sinon ça va être chaud quand même. Hein. Alors voilà, donc c'est des petites baraques, trucs tranquillou, des petites maisons, voilà. Parce que sinon ça va être horrible à jouer. Voilà. Hop. Bon, alors là je place un peu n'importe comment. Hein.
C'est le début. Et surtout, j'ai pas envie que la vidéo dure 200 ans. Et j'ai surtout envie de vous montrer ce que ça donne. Parce que là, je vous montre, mais vous m'avez pas vu jouer encore. Donc, je peux très bien vous raconter de la merde. Voilà, hop, on rentre par là. Allez, hop, et on met. Allez, voilà. Donc, je mets beaucoup de maisons parce que j'ai mis des gros mecs, en fait. Et pour te dire la vérité, j'ai pas tellement envie de mourir dès le début. Hop, donc maison. Et panier à lapin. Et on met une maison au fond. Voilà. Donc là, tu commences à comprendre. Donc je t'explique. Là-haut, c'est le spawn. Je spawn là-haut. Pia, pia, pia. Des mecs à buter. Je défonce les mecs. Pia, pia, pia. Et là, col du vampire. Des mecs de partout. Mon objectif est là. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre. Alors, y a des ruines aussi. Si on veut, on peut mettre des petites ruines. C'est toujours. On va mettre des ruines au niveau du. Ah non, au niveau de notre objectif, ça rendra mieux. Ça rendra mieux au niveau de notre objectif. Attendez, laisse faire le pro. Voilà, donc là, au niveau de notre objectif, des petites ruines. Voilà, c'est beau gosse. Ça fonctionne bien. Voilà, donc nous, notre objectif, il est. Hop là. Dans la maison. Voilà, donc là c'est mes mecs, là c'est mes mecs, mes bâtiments. J'ai mis que des bâtiments corrects, donc on va mettre un peu des bâtiments défoncés, parce que quand même, le col du vampire, bah, il date un petit peu, hein, on va pas se mentir. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de vampires qui traînent. Alors voilà, des destructions de maisons. Hop, à noter que si je les fais apparaître sur les mecs, ça va peut-être moins bien marcher. Alors hop, et j'en veux un là. Allez, tant pis si j'en ai tué un. Voilà, parfait. Donc. On spawn d'ici, il y a des bestioles qui sont avec nous, ils sont contents, on a fait un peu de terraforming. On y va. Là, j'ai pas mis de ruines. Ça fait classe quand même, mes petites ruines. Hop. Hop, voilà. Alors, j'aurais pu mettre, bien évidemment, autre chose. Alors, on a des débris, on a tout, on a tout, on a même des cadavres. Un cadavre de rhinocéros blanc, les gens. Voilà, ça, c'est pour expliquer au mec. Oh, tu sais quoi, le pichon là, j'ai peur qu'il me bouffe, mais bon, tant pis. Ça, c'est pour expliquer au mec que déjà t'es pas le bienvenu. Voilà, tu. Cherche pas, t'es pas le bienvenu. Alors, on notera la simplicité du truc quand même. Le jeu, il a vraiment un truc qui est vraiment classe. Genre, si je te veux, je te mets ton véhicule. Et si je te veux, je te mets une map à la GTA. A noter que ce que je suis en train de faire, je peux le rendre disponible et vous pouvez tester ce que je suis en train de faire. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Il y a moyen de faire une petite série là-dessus. Moi qui ai pas mal d'imagination, il y a vraiment moyen de faire des trucs classe, étant donné que Far Cry 4 refuse de se lancer. Donc en attendant, bah, je peux faire un let's play sur ce genre de petit délire. Voilà, donc là je pense qu'on est bon, on a un spawn, on a tout bon. Alors, on va y jouer maintenant. Jouer. Ok. Les gens. Assaut. À noter que j'ai pas mis de titre. On accepte. Alors, je me disais bien. Alors, on commence. On va faire gaffe, les gars. On va faire gaffe. On en est à 24 minutes. Alors, à noter que ça ne représente en aucun cas le jeu final. Je compte vendre mon jeu 90 € pour la version simple, en digital. Voilà, tu te doutes bien, derrière, ce ne sera pas comme ça. Je te mettrai un mur et tu verras que du feu. Bon, alors voilà. Donc, déjà, le jeu est bien fait. Tu noteras que j'ai eu du goût. J'ai eu du goût, je me suis dit, je vais mettre un rhinocéros mort devant. Les mecs, ils vont adorer, les mecs. Alors là, il y a un quad. Si je veux, je peux monter dessus. Je te montre. Voilà. Et si je veux, je peux partir et je me bats. Mais on va descendre. Sinon, on va tirer les mecs. Alors, tu noteras que mon poisson, il est là-haut. Alors, hop, ennemi tué. Donc là, j'ai 13 ennemis à tuer. Est-ce que j'ai d'autres armes? Hop! Putain. Oh, le boulet. Je voulais voir si j'avais d'autres armes. Tirez sur tout ce qui vous paraît suspect. Attention, il est là. On va se le faire. C'est quoi? Planquez-vous! Allez, va mourir! Oh putain. A noter que j'ai pas mis de truc de chargeur. Voilà.
Parfait. Donc ça, c'était le début, souvenez-vous. Le col du vampire, il est là, avec les deux pics qui montent. C'est les graphismes du jeu, hein. Pour ceux qui sont étonnés que c'est aussi beau, c'est vraiment les graphismes du jeu. Alors là, il y a lui. Je sais pas s'il peut me bouffer. C'est moi, il vient de me parler. Ah, il parle. C'est quoi ce grosse bestiole? Allez, en avant. Alors, tu noteras que j'ai oublié de mettre les munitions. Hein. Alors, est-ce qu'on peut... On va le fouiller. Préservatif. Ah, parfait, munitions. On va fouiller un peu les mecs. J'ai pas pensé à mettre des munitions. C'est un truc qu'on pourra prévoir si jamais je continue le délire. Ça peut être une bonne idée. Mais déjà, on peut remarquer que... bah c'est vachement classe quoi. C'est vraiment vachement classe. Alors derrière tu vois mes poulets qui se barrent. Voilà. Ah bon voilà. Allez, on va passer aux choses sérieuses des gens parce que sinon on va jamais finir la mission. Ok. Alors donc ça c'est les ruines que j'ai mis. Vachement classe. Et là on arrive dans le col du vampire les gens. Alors mission exclusive. Vous n'avez jamais vu ça les gars. C'est la première fois que vous voyez cette mission. Alors, on a un petit piou-piou. Bon, on n'a pas trop d'armes, hein, j'ai envie de te dire. Alors, j'ai pas... Oh, putain. J'ai pas pensé à mettre... J'ai pas pensé à mettre d'arc, c'est dommage. Oh, vilain. Alors là, pareil, je viens de me spoiler un peu le jeu. Je n'ai jamais vu ces mecs. Alors les gars, on court, on court, on court, là. J'entends des... Oh, genre, j'ai mis des... Wouah ! Oh, le spoil du jeu. Je sais même pas qu'il y avait ce genre d'ennemi. Oh, putain. Oh, putain ! Oh là, il faut que je me soigne, il faut que je me soigne, il faut que je me soigne. Ouch! Oh, j'avais un de ces bouts de bois. Ok, on se soigne. Voilà. Bon, j'ai pas pensé à mettre Dark, c'est bête. Il faut que j'arrive à faire exploser le mec derrière. Alors, le feu... Le feu, c'est comme dans le truc du début, le jeu. Le feu, il y a vraiment... Merde, maintenez contrôle. Bon alors là, col du... Les gens, je vous l'ai dit, col du vampire, ça rigole pas. Hein. Là, c'est vraiment une mission exclusive que vous ne verrez nulle part ailleurs, les gens. C'est cadeau, les gens, c'est pour vous. Vu qu'on peut pas jouer au jeu, et ben on se fait notre propre jeu. Alors, on va voir où ils sont. Et l'autre il crache du feu quoi. Ouah, j'avais jamais vu ce mec. Oh putain, il faut que j'arrive à le faire exploser lui. Yes. Ok, ok, ok. Alors oui, ils m'ont jarté, hein. Ils m'ont jarté dehors. Il explose quand l'autre? Il faut que je réussisse, autant vous dire que si j'arrive pas à le passer, j'ai l'air con. Hein. Mais bon, j'ai quand même mis des sacrés monstres, hein. J'ai pas fait mon radin sur les mecs. Hein. J'ai mis les moyens, les gens. Voilà. Il reste un. Ok, parfait, j'ai du C4. Il est où l'autre? Voilà les gens, ça c'était le talent. Objectif atteint.
tous les ennemis éliminés. Les gens, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, vu que moi, mon jeu bug, j'ai décidé que j'allais refaire le jeu moi-même, sur mes propres niveaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester l'éditeur de cartes Far Cry 4. Ça marche très bien. C'est très simple à prendre en main. Vous venez de le voir, j'ai fait un niveau à moi tout seul où il fallait tuer des mecs. C'est très cool. C'est vraiment ultra simple à prendre en main. Si jamais ça vous a plu, un maximum de pouces, les gens. Et si je vois que ça plaît vraiment beaucoup, bah écoutez, pourquoi pas faire la suite de notre propre jeu sur l'éditeur de map, Far Cry 4. Voilà. Les gens, j'espère que ça vous a plu. C'était super. N'hésitez pas à le tester parce que franchement, ça marche bien. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et voilà, les gens. Tout simplement. Les gens, on se laisse là-dessus. C'était super. Portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, voir si je continue ou si j'arrête ma carrière de développeur et de mappeur. On se laisse là-dessus, portez-vous bien, c'était super. Tchou !